Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV, on se retrouve pour ce troisième épisode de Craft the World. Et comme prévu, une attaque a lieu avec des grosses bébêtes. Alors j'espère que mes nains sont bien équipés. J'ai débloqué une nouvelle technologie, on va regarder. Construction avancée, c'est fait. Donc de la décoration avancée, super. Donc du coup, comme prévu, comme je l'avais dit lors de la fin du dernier épisode, on va faire un peu de construction aujourd'hui. On va essayer quand même d'avancer sur certaines technologies, mais on va essayer de se construire un abri un peu sympa, donc une maison en bois. En l'occurrence, normalement j'ai ce qu'il faut. Équiper, non, fabriquer. J'ai 90 murs en bois, c'est déjà pas mal. Je peux en faire d'autres. On va faire un peu de lits de meilleure qualité. Alors, il faut du bois. Alors, j'ai 9 nains. Voilà, on va essayer d'augmenter un peu le confort. Alors là, on est sur un confort de 2 et je peux faire des lits à étage avec un confort de 4. Donc, on va essayer de les faire. Qu'est-ce qui va manquer? Des clous, ça va être bon. C'est au niveau des planches. Je peux en faire que 4. Moi, ça me débloque la technologie. Voilà. On regardera après ce que ça donnait. Il manque de planches. On va les faire. Et puis, on va aller chercher du bois. Et on va attendre de voir un peu ce qui se passe au niveau de cette attaque. Alors, je vais remettre le jeu en vitesse x2. Ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. Ils ont pris les pièges, je pense. Déjà. Je crois que j'avais posé un piège. Alors, il y en a un ici. Voilà. Ils construisent, ils détruisent la barrière. Donc pour l'instant, il n'y a que les squelettes qui passent. Il y a lui qui fait appui en fait. Regardez. Il monte sur le bouclier et ça les fait passer. C'est fou ça. Alors, le temps qu'ils détruisent ça. Bon, je pense pas que le matin ait le temps d'arriver. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. Voilà, verrouiller les nains. Du coup, ils rentrent tous à l'abri. Ils n'ont pas le droit de sortir. Moi, je trouve ça un peu dommage. Là, j'ai que du petit zombie. Donc, du coup, on va aller. On va faire un appel ici. On va aller défendre la base. Donc, ils détruisent tout. Voilà, ici. Là, il y a le gros qui est coincé. On va en profiter. Du coup, ils peuvent pas trop le taper. Ils sont éjectés à chaque fois, mais bon, pour l'instant, ils ont pas l'air de prendre de dégâts. Donc, ça passe plutôt pas mal. Voilà, et on va enlever le drapeau d'appel, sinon ils restent coincés ici. Ils bougent plus du tout. Eux, ils vont finir par cramer, je pense. J'espère, en tout cas. Du coup, on va collecter de l'eau. Voilà. Et on a dit qu'on allait avoir besoin de bois. On va aller chercher du bois. De préférence sur des grands arbres, comme ici. On va prendre les petits, hein, tant pis, mais. On va faire un tunnel ici. On va prendre le mouton pour la laine pour pouvoir faire. De la ficelle, parce que je vais avoir besoin aussi de pas mal. Voilà. Le temps d'avoir la ferme et de pouvoir les emprisonner, les moutons, et pouvoir les garder en vie pour les tondre, et pas les tuer. Ça, j'ai pas assez d'eau. Là, il y a quelques trucs à récupérer aussi. Ce serait bien qu'ils les récupèrent. Là c'est bon, ils ont tout récupéré. Ok, super. Alors, on va partir en mode fabrication. On va se mettre ça ici. Alors, comment on fait? Est-ce que je me garde quand même une partie souterraine? Oui. Du coup, est-ce que je peux
Voilà, on peut construire ici. On va enlever le ça, ça. D'accord, c'est le mouton qui s'est pris le piège, quoi. Tout va bien. Et on va regarder, mais oui, effectivement, les pièges ont disparu. Donc ça, il l'avait cassé, mais le piège qu'il y avait là a disparu. Donc effectivement, ils sont utilisables qu'une seule fois, ce qui n'est pas tip top. On va construire tout ça, construire bloc. Enlever ça, on va l'éloigner un petit peu. Je vais essayer de me garder cet espace-là, là, la petite réserve d'eau, c'est bien sympa, même si il y en a une grande. On va aller collecter de l'eau d'ailleurs. Voilà, on va agrandir ici. Collecter de l'eau, couper, couper. On va enlever la cage ici qui va pas servir à grand chose. On va récupérer des feuilles, là du bois, et là aussi du bois. Allez. Du coup, oui, j'avais les échafaudages. Celui-là, voilà. C'est juste la nuit, c'est pour ça que la musique s'énerve un petit peu. On va leur mettre des échafaudages un peu partout. On va monter. Je pourrais en mettre deux. On en remplace la terre. Voilà, comme ça, ça fait un beau petit plancher. Et du coup, ça me protège mon portail et ma réserve. Alors là, ils ne peuvent pas grimper. Voilà. Ah, j'ai plus d'échafaudage. J'en avais dans la mine, je crois. Pas par là, de l'autre côté, oui, je me mets là, on va les récupérer pour le moment et on va s'atteler. Oh, cet arbre, c'est très bien. On va continuer à fabriquer les lits à étage. Donc j'en ai 4, on va faire 3 de plus. J'ai encore manqué de planches, bon, du coup, on peut en faire plein. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Ah, il m'énerve aussi là. En fait, il vient de mettre le bazar dans la réserve, donc c'est pour ça qu'il faut la protéger aussi un petit peu. On va commencer à mettre des torches. Bon, ce sera temporaire, je pense, mais déjà. Ça donnera un peu de lumière pendant la nuit. On va mettre ici. Voilà, ça construit bien. Du coup, cet accès-là, je pense qu'on va le changer. On va enlever la trappe. On va faire un accès par le centre, je pense. À peu près. Du coup, il va falloir que je bouge ça aussi, je pense. Parce que je vais être assez large là. On va enlever ça, on va agrandir encore d'une case. Je vais encore avoir besoin de planches. Alors. Voilà.
Du coup, on va mettre la protection, la clôture simple, pique en bois, ça fait quoi? Ça fait des dégâts. Ouais, ça inflige des dégâts, la clôture. On va mettre de la clôture déjà. L'ombre du mineur pour l'instant, je n'ai pas besoin. On va mettre là la clôture. On va enlever l'arbre. Un livre de pêcheur. Voilà. Hop. Donc on termine ici. Ici. On va bouger. Non. On va enlever l'établi. On va creuser ici. Les murs en bois. On va enlever la torche. On va mettre. Il faut des portes. Alors j'en ai qu'une. Il va manquer un cadenas. Ok, on peut refaire une porte. J'en ai une, il me faut au moins deux. Donc là c'est bon. Évidemment, je fais la prise. Le pont. On a besoin tout de suite. On va mettre une porte ici. Allez. Et on va mettre une porte ici. Voilà. On va enlever l'échelle là. On va mettre l'échelle ici. Ici on va fermer. Ici aussi. Voilà. Et comme ça on peut mettre la porte. Hop là. Ok. Donc là, on va refermer bien notre maison. Là, c'est refermé, voilà, il est content, 46%, on a gagné en confort. Du coup, ça, je peux l'enlever. On peut même mettre une trappe là, ici, je pense. Ou pas, on verra. Est-ce que je fais directement un deuxième étage? Je ne sais pas, on peut peut-être faire un toit. La construction avancée, il me faut de l'argile, de l'eau et du charbon. 3, 6, 9, 12. Il y a combien de blocs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je crois faire 18. Voilà, 6 de plus. J'ai bien envie de faire le deuxième étage tout de suite, ce sera fait. Donc on va continuer l'échelle. Je vais manquer d'échelle évidemment. On va enlever ça. J'ai plus assez de bois, un mur en bois. Ouais, j'ai vraiment besoin de beaucoup de bois. On va récupérer ça. Là, il y en a plus trop. Il y aura un sort aussi après pour. Ah, là, il y en a plein. On ira le récupérer. On peut y aller maintenant, même. Je pense qu'on risque pas grand chose. Ça et ça, on va couper. Ok. Alors, du coup, ils vont avoir besoin d'échafaudage. Donc là, ils en ont plus besoin. Bon. Pareil, on va mettre un petit peu de lumière. Enlever les feuilles, construire ici. Ah, j'ai plus de blocs, décidément.
On va fermer là. On va fermer là. Là, il leur faut des échafaudages pour monter. Des échelles pour finir l'escalade ici. Et encore un petit peu d'échafaudage là. Allez, on se dépêche les nains, parce que je vais avoir assez de blocs, je crois pas. Je vais encore en manquer. En même temps, je crois que j'ai pas besoin de fermer ici, puisque du coup, je vais mettre le toit par-dessus. Je crois que le toit va remplacer cette partie-là en fait. Du coup, ça on va la laisser, celle-là on la laisse. On va enlever ça et on va mettre le toit par-dessus. Comme ceci. Là. Et on va fermer ici. Voilà, à tous les coups, ils vont pas réussir à monter. Ouais. Ce bloc-là, ça va être compliqué. Voilà, là, normalement, c'est fermé. On a une maison. Voilà, maison terminée. Ok, super. On est opérationnel. Donc, on va pouvoir aménager tout ça maintenant. Ça nous fait de la place. Alors, j'ai ma réserve ici. On a dit qu'on allait mettre des lits, du coup, des lits à étage. Je peux en faire, j'en ai 7, il m'en faut 2 de plus. Check. Donc les lits à étage, on peut les mettre les uns dessus des autres. Ah, quoi? J'aurais bien fait une petite tour en fait, quelque chose comme ça, où on puisse mettre les lits. Les uns au-dessus des autres, mais au final, c'est peut-être pas trop grave. Ça me ferait gagner de la place quand même. Comment on peut faire ça? Réfléchissons. On met ça. On va faire un jour de mur ici. On va voir ce que ça donne. Pourquoi impossible? Pourquoi tu veux pas? J'ai pas assez de hauteur en fait. Je peux mettre que ça. Ça me paraît pas beaucoup quand même. Pas assez. D'accord. Alors, on va en refaire. Si je construis ici. Que ça te suffit. Les nains. Du coup, on va fermer là. On va fermer là aussi. Et on va fermer là-haut. Besoin.
On va essayer d'en mettre un ici. Allez. Voilà. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est vraiment débile, c'est là. Pas vrai. Allez, construis-moi. Voilà, cette partie-là. Ah, il m'en manque un. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Ah, maintenant je l'ai un là. Parce qu'il devait me l'avoir enlevé et amené dans la réserve. Voilà, on va fabriquer la partie du mur qui manque. Allez, non, on ferme. On peut peut-être mettre une porte. Porte en bois. J'ai pas encore les portes intérieures pour la déco. C'est pas grave, support lumineux, ça peut être très joli, je pense. J'ai pas des lampes. Si, lampes murales, voilà, très bien. Donc, je peux en faire que 3. Je vais manquer de verre. Bon, verre, on peut en faire. On va en faire plein, j'en aurai besoin après pour les fioles. Et du coup, les lampes, autant qu'ils me les fabriquent, ben, elles sont déjà là. On va en mettre une ici. Une ici. Une ici. On va mettre des échafaudages. Voilà. Allez. Voilà. Et du coup, mes lits, je peux les mettre là maintenant? Impossible, je comprends pas. Pourquoi impossible? Il y a quand même de l'espace là. Je peux les mettre que par 3, c'est fou ça. Alors si on serre un peu. Là je peux pas. Alors. De ce côté-là. Ah d'accord, parce qu'il faut que ce soit déjà construit. Voilà. Ah, parce que si c'est pas encore fabriqué, il n'a pas le support. Il peut pas grimper. Alors du coup, ma lampe murale, on va en mettre une ici. Et ici. Voilà. On va remettre un lit. Ah, il peut pas. Bon, ben je n'ai pas tout compris au niveau du principe du liétage. C'est pas grave. Faire 4 et 4. On va remettre une lampe ici. Voilà. Une certaine symétrie, on va enlever celle-là. Là, il veut pas. Hein. 2, 3. Les nains ne dormiront que situés à l'intérieur d'un abri. Oui, ok, pas de problème. Normalement, on y est là dans un abri. Ah, ben non, il me dit qu'il n'est pas là. Comment ça se fait? Est-ce qu'il manquerait pas une planche derrière?
Alors c'est peut-être trop grand pour le totem, alors que je vais récupérer un deuxième totem. Et on va. Oui, j'en ai un. Super. Celui-là, on va aller le mettre là-haut. Voilà. On va voir si ça marche. Voilà. Et voilà, impeccable. Et du coup, on est monté à 60%. Super. Super, super. Ok, donc lui, on peut l'enlever. Il va manquer un lit. Là, niveau sécurité, là, il y a un trou. On va enlever ça. Et ça. On va rajouter un peu de défense. Voilà, de l'autre côté, pareil. On va en rajouter un petit peu, on va en refaire. Deux, ça suffira. J'ai une cage aussi. Ça, j'en ai plus besoin. La cage, on va la mettre là. On va enlever cet arbre et on viendra poser ça ici. Ok, on peut enlever ça. Ça. Et dernier lit. Non, moi il veut toujours pas. Hein. Je sais pas trop pourquoi. C'est très bizarre. Bon, on va le laisser là, tant pis. Il y en aura un au moins. Il faut que je remette là l'établi. Non, c'est la forge que j'avais enlevée. Non. J'en ai une de forge, oui j'en ai une de forge. On va mettre une deuxième ici. Et l'établi, on va le mettre par ici. Voilà. On en mettra un deuxième, je pense. Est-ce qu'on peut en faire un deuxième? Il manque une table en bois. La table. Table en bois. Non, on peut pas la faire la table. C'est quoi que je peux faire? Si, table. On va faire deux. Établi, voilà. On va faire un deuxième. On va mettre ici à côté. Voilà. Deux établis de forge. Déjà, on est pas mal. Ça ira peut-être un petit peu plus vite au niveau du craft. J'ai plus de cage. C'est pas bien grave. On va enlever les torches ici. Ça n'a pas lieu d'être. Et au niveau déco, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir. Mijoteuse. D'accord. Bibliothèque. On va faire une. Je sais pas s'il n'y en a pas une là, par là. Si, celle-là, on va l'enlever. On n'a rien à faire ici. On va faire une deuxième marmite aussi. Là. Voilà, les tables qui sont ici. On va enlever au moins celle-là. On va pouvoir enlever les lits de feuilles, qu'ils aillent s'installer confortablement. Dans leur petite maison, qu'ils aient hâte de dormir. Dans la cave. Est-ce qu'il me reste de quoi faire des murs? Oui. On va tout faire. Et on va remplacer. Remplacer. Là aussi. Remplacer les blocs à l'arrière. Voilà. Et là, ce que. Non, du coup, je ne vais plus avoir assez. C'est pas grave. Alors là, on va avoir l'espace lit. Là, on va avoir un espace de travail. Ici aussi. Et en dessous aussi, on va faire un espace de travail. Faudrait que je rajoute des échelles ici.
On va creuser là pour avoir un accès direct. Bon, ben voilà, une petite maison qui commence à ressembler à quelque chose. On a dit les bibliothèques, les tables, on va les placer. On va placer les bibliothèques. Bon, est-ce que je peux en mettre une par ici? Voilà. Bon, les bibliothèques pour prendre un livre avant d'aller dormir. Les tables, on va les mettre ici. Voilà, pour manger. Chaise. Enfin, je vais manquer de bois. Et au niveau des fabrications, déco, bouclier, non, déco, je l'ai pas encore. Faut que je fasse des briques, de l'acier, du papier, de la teinture. Alors, viens voir. Teinture, on va en faire. Alors, de la résine, de l'eau et des baies. On va faire 10. Ensuite, tissu, on va en faire pas mal. Ah ouais, je vais manquer de laine. Du coup, il faut de la teinture ici et de l'eau. On sépare 10, donc ça va. On va faire 10. Et enfin, du papier. Alors, j'ai manqué de bois, de l'acier, ça je peux. Et ça, de l'acier, on va en avoir besoin de beaucoup. Voilà. J'ai manqué de charbon du coup, mais moi j'aurai fini la transformation avancée, il me manquera juste peut-être de faire un peu de papier, brique, alors j'ai manqué de charbon aussi. On a plus que télo là, c'est pas très sympa. Ici aussi. Voilà, donc j'ai encore manqué de bois, une nouvelle fois, comme d'habitude. Alors ça s'est débloqué, voilà, on peut faire la déco. Alors. Planche, clou, des os et du minerai de fer. On peut faire un bouclier, on peut faire deux. Stuc vénitien, du sable, de l'argile et de l'eau. On peut tout faire, voilà. On va voir ce que ça donne, ça, c'est sympa. Genre. Et ça. Bon. Où est-ce que je peux mettre ça? Il faut que je le fasse en fond en fait, c'est un peu joli. Et si je le mets comme ça, voilà, pour placer les blocs à l'arrière. Voilà, il va manquer une échelle ici. Ah, c'est joli, n'empêche. Tout joli. Je suis subi l'attaque, donc on va la faire celle-là. On avance pas mal aujourd'hui, je pense. Donc là, on va faire canne à pêche aussi. J'en ai deux. Ah, je manque de bois. C'est pas grave. Oula, il y a du lourd là. Là, il y a du lourd. On va appeler les nains. Ouais, ça tabasse fort là. J'ai nageur, grimpeur, d'accord, ça n'a pas beaucoup m'aider. Lui ça va, lui il commence à avoir mal, lui ça va, lui c'est moyen. Ouais, ils sont tous équipés. Il va falloir vite, je pense, passer au cuir. Donc on va essayer de faire l'ameublement expert le plus rapidement possible. Moi je pense que ça passe quand même. Ils en prennent un peu plein la tronche, mais ça a l'air d'aller. D'accord, toi tu tapes les petits zombies tout seul. Pourquoi pas.
Un Allez. Ah, ils se font éjecter par le grand coup de hache en fait. Ok, ça passe. Qui fait la courte échelle, on va le défoncer aussi. Ok. Deux nains infamés, bah oui, forcément. Niveau 10, ok, impeccable. Encore un main, donc je pense à rajouter un lit. Mais j'en avais un. On va faire cela. Ah, mais je manque de moi. Ok. Nains infamés, on va leur donner à manger. J'ai ça. Voilà. On va remplir ça. Et on va leur donner de la salade. Voilà. Et du coup, je crois que je peux faire des grandes tables peut-être. Oui, grandes tables. Moi, je vais manquer de bois encore. Super. Là, par là, il y a quoi? Pas de bois. Si, on a là. Voilà, le mouton. Et on va pêcher. On va essayer de pêcher. Comme si on va pêcher. Un peu loin, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que là, ouais, pareil, là, il y a plein de bois. On va récupérer de la viande aussi. Là, il y a du bois aussi. On va faire le plein. Tant qu'à faire, j'ai un peu le portail là. Ok. Ça se passe de l'autre côté. Ça se passe pas trop mal. Ici, voilà. Ça marche pas. Pas assez de canne à pêche. Alors, équipement, je crois. Ouais. Canne à pêche. Toujours pas ramener le bois. Super. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Si pour faire ça, c'est pas la peine. Hein. Pêche. Là. Ah, il y a toujours la pelle. Hein, que je suis bête. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça que du coup il faisait rien. J'avais laissé la pelle. Du coup, il reste figé. Donc là, il faudra aller ramasser tout ça aussi, s'il vous plaît, les enfants. Voilà, couper du bois. Qu'ils font les autres là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bugués ou quoi? On va manger. On va manger. On va manger. Ok, toi tu bosses. Toi tu dors, ok. Toi, on va te reposer si tu es fatigué. Ça a l'air d'aller. La vie est bloquée par contre. On va te reposer. D'accord, toi tu dors par terre. Ah bah c'est le nouveau. Ah, à tous les coups c'est le nouveau. Ok, donc on va déjà falloir l'équiper. Là, il est quoi? Il est pêcheur. Tiens, ligne de pêche. Être nageur aussi. On va te mettre ça, c'est du basique, mais ça suffira. Là, on peut faire à manger. Ah, je manque de charbon. Donc, je retrouve du charbon aussi. Ok, ça se passe comme bien. Ils n'ont plus de portail par contre. Donc, ils vont se taper des grands allers-retours. Ok, alors charbon. Charbon, charbon. Ouais, bah là, il y en a plein de charbon. Voilà, ici aussi il y en a. Ici. Voilà, on va mettre une petite lampe de mineur par ici. Où est-ce que c'est? On va en mettre une là.
Pour récupérer le fer aussi, parce qu'on va avoir besoin de faire de l'acier. Là, il y a quoi? Là, il n'y a rien. Alors, on monte vers la surface. Ah, du charbon ici aussi. On va mettre... J'essaie de récupérer tout ça. Un peu de pierre au passage. Bon, ils ne pourront pas tout creuser là, il va falloir les aider avec des échafaudages, mais on verra au moment venu. Toi, t'en es où? On va te rajouter un portail ici. Bon, normalement, au niveau du bois, je devrais être bon. Bon, 105, c'est large. Je peux faire un piège, il va me falloir des cordes. Où j'en suis? Déco avancé. Tapis mural. Tapis mural. Ok, du cuir. Des clous. Et... Ah, zut. Du cuir, des clous. Et des aiguilles. Et voilà. Allez. Toi, tu manques de charbon. Et toi, tu manques d'argile et de charbon. Tapis, tapis. Ok, pourquoi pas. Lit confortable, du coup. On va faire 3. On va faire du genre de grande chambre de luxe ici. Là, j'en ai déjà 8. 9. J'en ai 2 qui ne peuvent pas dormir en fait, c'est pour ça. Aussi que ça met un peu le bazar. Est-ce qu'il me reste de la viande? Oui. L'épine de pain, vous allez en bouffer un peu aussi, hein, par exemple. On va enlever les bestioles. Je sais pas si ça a une influence sur le confort. Oh, par contre, ça, c'est pas bon. On va enlever. On met la torche. Et les fantômes, ils vont mettre aussi. Parce qu'il a laissé tomber des racines, je crois. Il s'est jeté au lit. Épuisé qu'il était. Quand vous voulez, vous tuez le rat, par contre. Hein. C'est pas qu'il vous pique la bouffe, les gars, mais. Un peu, quoi. On va essayer de finir un peu la maisonnée. Ah, je peux faire un atelier. Pioche en fer, je peux faire des pioches en fer, oui, super. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai déjà en fait. Toi, t'en avais pas. Sinon, ils sont tous équipés en hache en fer, pardon. Je sais pas si je peux annuler par contre les constructions. Comment je fais? Je peux pas. Bah, a priori non. Je ne peux pas. Avec Shift peut-être. Shift, Alt. Non. Bon, mais tant pis, je les aurai. Bon, c'est toujours utile en même temps, c'est pas trop grave. J'aurais bien aimé garder mon fer, mais bon, tant pis. Ouais, je voulais récupérer ça. On va remplacer ici. Remplacer ici.
C'est bon, c'est bon. La porte ici, c'est bon. Là-bas, du coup, ça a creusé ou pas? Un peu, du coup. Ok, 34 minutes avant la prochaine attaque. Je pense qu'on va pas trop tarder à se laisser là pour. Non, c'est pas ça que je vais faire. Pour cette partie, je pense qu'on aura déjà bien avancé. Une belle construction de maison. Je manquais encore de bois. On va finir de remplacer les blocs arrière. Voilà. Voilà. Je vais encore en manquer, finalement. Heureusement que les arbres, il y en a plein. Voilà. Voilà. Et là, on sera bon. Ce sera bon, ce sera bon. Voilà, une vraie belle maison en bois. On va enlever la torche ici. Torche ici. Et la torche ici, on va rajouter une petite lumière là. Et on va rajouter les lits qui normalement ont dû être fabriqués. Voilà, les lits très confortables. Confort, on peut rajouter petit fauteuil. Voilà, on peut rajouter des fenêtres, pourquoi pas. 4, on peut. Grande table, voilà, c'est ça que je voulais faire. Une grande table, on pourra mettre un peu plus de bouffe dessus. Comme ça, il y a besoin de les remplir moins souvent. Toit de feuilles, honnêtement, je pense qu'on ne le fera jamais. Bas-relief. Bas-relief, on peut faire pour améliorer un peu. Ah, une fois un atelier, voilà. C'est ça que je voulais faire. Alors, atelier, ça va être ici. Là, ah, il manque la grande table. Je suis en train de la fabriquer, ça tombe bien. Un petit mouton qui se balade. Couper. Couper. Couper là. Ah, c'est la nuit qui arrive. Bon, la nuit, on a vu que ça se passait plutôt bien, hein. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Les attaques sont pas trop violentes. On a 65%, c'est pas mal pour un milieu de partie, on va dire, honnêtement, plus que satisfaisant. Surtout qu'on n'a pas fini la déco. Je peux rajouter des choses un peu plus confortables aussi. J'ai plus de clous. Briques, j'ai pas d'argile, je refasse de l'argile. Voilà. Bon, l'argile, c'est de l'eau et de la terre, hein. C'est pas très coûteux en ressources. C'est pas comme si on en manquait. Et je peux savoir pourquoi ils font tout le tour. Ah, d'accord, ils viennent jusque là en fait. Ok. Chercher, ils reviennent. Okay. On va prolonger un petit peu. Et au niveau de la grotte, lui il creuse, tant mieux. On va y rajouter une petite lampe de mineur, je sais pas trop où, ici je pense. On va attendre pour enlever ce bloc. Peut-être rajouter une torche ici. Récupérer ça aussi, ça sera pour l'alchimie. Et là, et là, et là, on va où? Donc là, ça a l'air bouché. Là, ça a l'air bouché aussi. On a beaucoup de terre. Ah, un donjon, et voilà la salle du portail. Alors, ça, c'est pas mal.
C'est donc il va falloir que là il y a un gros boss. Il va falloir que je tue. Et surtout il y a 5 copains à lui qui se baladent par là. Ou 4, je sais plus combien ils sont exactement. Il y a 5 parties, mais je sais pas si lui c'est la cinquième ou pas en fait. Et du coup, il va falloir les tuer pour récupérer des recettes pour construire une partie d'un portail magique pour le reconstituer et tout simplement pouvoir s'enfuir de ce monde et accéder à un autre monde, c'est-à-dire grosso modo au niveau suivant du jeu, hein. Donc, toujours intéressant. Tant que j'ai un peu de mana, on va farfouiller. Là, on va commencer à tomber sur les minerais rares, l'argent, le mithril. Ça c'est l'argent je crois et ça c'est le mithril. Et après là il y a les pierres précieuses. Ok, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce côté-là. C'est pas mal. Une exploration, on sera allé assez loin. Ah, je peux aller là. Alors et là on arrive à la lave. Et là du coup, on va tomber sur des œufs de dragon. Et sur des dragons. Voilà. Petit dragon. Gros dragon d'ailleurs. On va tout explorer. Ça va m'ouvrir. Voilà. Sur la mini-map, ça me découvre aussi les zones. Et ben voilà. Niveau un peu plus clair. Là, il y a quoi? C'est un monstre. Et donc, faut trouver les autres donjons avec les boss et aller tuer ces boss pour récupérer. Ce qu'ils ont à donner. Et surtout pouvoir après fabriquer les portails. Salut toi. Bonjour. Je suis tranquille à la maison quoi. Ok, ouais, ils sont installés mais juste à côté quoi. Okay. Bon, mais écoutez, on s'en occupera lors de la prochaine partie. Non mais là, dans la maison, c'est juste pas possible quoi. Ah, c'est juste pas possible. Non mais, qu'ils se prennent. Et on avait dit ouais, qu'il fallait finir surtout ouais, l'ameublement avancé pour avoir accès au casque en cuir, les protections en cuir, les haches en acier, etc. Pour avoir un peu plus d'armure parce que. Les attaques de nuit, enfin les attaques qui arrivent de manière régulière sont quand même de beaucoup plus en plus agressives, on va dire, et massives. Donc pour le coup, il va falloir s'équiper rapidement avant la prochaine attaque. Ce sera l'objectif du début de la prochaine partie. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Craft the World. Allez, à ciao ciao!